Les deux hommes accusés d'avoir poignardé mortellement trois moines égyptiens de l'église copte orthodoxe en Afrique du Sud mardi étaient devant les juges jeudi. Ils ont été maintenus en détention jusqu'à la prochaine audience fixée au 27 mars. Il s'agirait d'un Égyptien de 37 ans et d'un Sud-Africain âgé de 47 ans. Les moines ont été assassinés au monastère de l'apôtre Saint-Marc et du confesseur Saint-Samuel à Kalunan, une ville située à 50 km au nord-est de la capitale Pretoria. Des membres de l'église orthodoxe ont assisté à l'audience. Le report du procès fin mars doit permettre aux accusés de bénéficier d'une représentation juridique et d'un traducteur arabe, comme ils l'ont demandé. Le meurtre des moines a plongé l'église orthodoxe d'Afrique du Sud dans la consternation. Elle a qualifié l'acte de criminel.